Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet sera aussi sur la relation entre l'esprit et la nourriture, les informations les plus importantes. De nombreuses personnes se plaignent d'une mauvaise mémoire et nombre d'entre elles aspirent à l'activer de manière naturelle à des fins d'études et de réussite scolaire. Quels sont les stimulants naturels de la mémoire? Dans cette vidéo, nous parlerons des informations les plus importantes qui montrent la relation entre l'esprit et la nourriture. Il est possible de connaître la relation entre l'esprit et la nourriture à travers ce qui suit. 1. Oméga 3. Les processus d'apprentissage et de mémoire produisent de nouveaux neurones tout le temps entre les cellules cérébrales et nous avons besoin d'un renouvellement constant et d'un apport constant en substances grasses nécessaires qui produisent de nouvelles membranes et une protection complète des cellules cérébrales, et les sources les plus riches en oméga 3 sont les poissons frais, tels que comme le saumon, le maquereau, le thon, les sardines, l'huile de poisson. 2. Acétylcholine. C'est une substance issue de la dégradation de la lysine, le composé nécessaire à la production d'acétylcholine. Les aliments riches en lysine sont le vitellu, le foie, la viande, les pistaches, les fibres, le riz complet et le gruau. 3. Protéines. Les acides aminés doivent être disponibles pour la production de neurotransmetteurs. Les acides aminés, tels que la tyrosine et le tryptophane, sont nécessaires à la production des hormones cérébrales de base, la sérotonine et la dopamine. Les sources les plus importantes de protéines recommandées sont les légumineuses comme les œufs, les fromages, les poissons. 4. Caféine. La caféine stimulante peut nous donner de l'énergie et nous aider à nous concentrer, comme le café, le chocolat, le thé. Mais son effet est de courte durée et il n'est pas recommandé d'en faire trop car il peut provoquer de la nervosité, de l'agitation, des battements cardiaques irréguliers et des problèmes de sommeil. 5. Antioxydants. La nutrition humaine moderne dépend des sucres et des aliments transformés qui produisent des milliers de radicaux libres lors de leur décomposition, et il existe de nombreuses autres sources qui produisent ces radicaux libres, et de nombreuses vitamines peuvent être utilisées comme antioxydants, y compris la vitamine E présente dans les grains entiers, et la vitamine C trouvée dans les fruits, les légumes verts et d'autres vitamines et composés. 6. Noix et chocolat. Dans les noix, les graines et le chocolat noir, il y a des antioxydants utiles. Le chocolat contient des stimulants naturels tels que la caféine qui peuvent améliorer la capacité de concentration et en tirer profit sans consommation excessive de calories, de graisses ou de sucre. Mangez environ 30 g de noix et chocolat noir quotidien. 7. Myrtilles. Il a été découvert que les myrtilles aident à empêcher le cerveau d'être privé d'oxygène et peuvent également réduire l'impact des maladies liées à l'âge, telles que la maladie d'Alzheimer. 8. Curcuma. Le curcuma est un antioxydant efficace pour améliorer la mémoire et aussi pour le bon fonctionnement du système digestif, et est considéré comme un antioxydant et même anticancéreux. La relation entre l'esprit et la nourriture, facteurs qui nuisent à la mémoire. Parmi les facteurs pouvant avoir un effet négatif sur la mémoire figurent les suivants. Diminution du niveau de neurotransmetteurs, car un déséquilibre dans la production de ces neurotransmetteurs peut entraîner un manque de concentration et de confusion, entraînant des difficultés de mémoire et d'apprentissage. Sentiment de peur, de choc et de dépression. Diminution du flux sanguin vers le cerveau. Vieillissement. Certains médicaments que vous prenez. L'alcool. Manque de vitamines, d'hormones ou de graisses nécessaires en raison d'une mauvaise alimentation. Il convient de noter que la nutrition a un impact très important sur les performances mentales, car il a été prouvé que les produits chimiques contenus dans les aliments ou les suppléments nutritionnels peuvent aider le cerveau à améliorer ses capacités mentales, à améliorer la compréhension et la mémoire, la clarté de la pensée, la concentration et la vitesse de réaction. La relation entre l'esprit et la nourriture, chose à éviter. Certaines choses doivent être évitées dans les aliments, dont les plus importantes sont aliments contenant des graisses saturées et aliments frits. Les sucres simples qui provoquent un déséquilibre de la glycémie. Alcool. Fumer. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés et pour plus d'informations visitez mon site mangersaine.com.